canal ça qui a construit on dit dans la commune Wanamet et qui augmentait la tension qui était déjà existée depuis plusieurs années entre des nations. Donc, je suis capable de dire c'est un moment qui est plus difficile que Haïtiens vivent là. Par rapport avec stress, par rapport avec frustration, par rapport avec motivation que Dominicains gagnaient, et surtout avec Enza qui était là depuis longtemps. Ça, c'est voix Jackie, un jeune haïtien qui vit la caï voisin, et spécialement dans Santo Domingo Este, depuis plus passé yon l'année. Selon compatriote ça, depuis chirépit qui éclatait entre autorités dominicaines, ak yon groupe paysan nan Wanamet qui décidera poursuivre construction yon canal irrigation sous rivière Massac, haïtien dans la République dominicaine, à vivre avec la Pérez, qui la cause yon permette tête yon de yon. Jusqu'à présent, c'est vrai que gen yon pile et images ou encore. Et monde qui a partagé ça que vous vivez dans une zone bon la caillou, moi-même moi je vis Santo Domingo et Santo Domingo Este, donc dans zone pas blanc, dans zone pas blanc vraiment, donc nous capable dire toute bagaille calme, nous capable dire toute bagaille calme, mais ça pas empêché que au senti peur, au senti comme si frustration à la caillou, parce que il y a un pile motivation sur TikTok et vous connaissez pas un pile monde qui maîtriser comme si les réseaux sociaux et il y a pile menace qui a fait par rapport avec tension qui a développé sous frontière là. Donc en gros, on capable dire c'est réalité hein. Parce qu'on pas qu'à sortir et même si on besoin acheter un bagaille et obligé comme si à veiller pour acheter déjà c'était comme ça depuis auparavant mais pour qu'on y a la peur là les vins et il augmenter plus par rapport avec agitation qui gagne dernier jeu ça entre haïtien avec dominicain et pour question construction canal là ça vient faire que haïtien yo obligé en dire pile précaution nécessaire côté que au capable et te gagne vidéo qui t'a circulé te gagne même on dit confrontation entre ti moun nan niveau primaire anti haïtien avec ti dominicain qui et qui t'a goumé, comprenez? Donc, et encore, donc, on va dire, la réunion, j'en vide, presque tout haïtien, comme si vous étiez dans la caillou, ils n'ont pas sorti. Et si vous faites sortir, c'est juste rapide, vous faites ça, et que même dans le travail, donc, vous allez, donc, vous obligez comme c'est prudent. Situation pas différente pour Daniel, qui vit dans la municipalité, Esperanza, qui trouve dans la Nord-République dominicaine, et Jeffrey, qui vit Punta Cana, c'est même réalité. Haïtiens ont abandonné la RIA à cause agents immigration déployés par pile et par paquet. Situation personnellement, pas trop compliquée jusqu'à présent. Mais, je vis avec un pile inquiétude. C'est vrai que dans la zone PAM, il n'y a pas trop mal passé ça. Mais, je vis avec un pile inquiétude parce que, puis devant, je ne sais pas qui s'est passé. Si toutefois, pas ta gagnon entente yon solution qui jeune avec problème ça k'a confronté en deux pays yo mon ka di la rien ti jan kan par rapport avec quantité haïtien konnen ki nan pays a ki pa pran la rue la police présence la police pas augmenté c'est toujours même effectif là mais agent immigration déployé en quantité. C'est ça qui fait que vous n'avez pas remarqué trop haïtiens dans la rue. Haïtiens ont été là, oui, ça me cadre. Dans le moment, ça a côté que je suis capable de dire que c'est difficile pour haïtiens parce que faut que vous payez, il faut que vous mangez. Les gens ne peuvent pas sortir pour le travail comme ça, ils viennent créer un problème. Ils viennent créer totalement une crise, un problème total pour les haïtiens. Parce que les gens ont sorti pour le travail, ils ont sorti avec un cœur sauté. Si, parce que les gens ici dans le moment où ils qui fait la caillou, qui fait que la caillou avec un cœur sauté, ils n'ont pas envie de sortir le travail pour l'immigration. Parce que l'immigration prend, ils ont passé deux jours ou bien un jour en prison, après ça, pour eux, à Haïti. Retourner à Haïti, si on a déjà un autre problème lié encore, si on a l'autre calcul lié encore, parce que c'est dans la pauvreté ou à Haïti, ou si bon déjà payant, un pile problème tout, un pile et qui passe à Haïti chaque jour, les nègres la garde pour essayer Haïti la retourner. Les préférés payer agent immigration pour agent immigration la gueule. Et combien comme ça est pour les ponts comme ça? Les ponts pour ici là, agent immigration m'a dit faut que bali 15 000 ou bien 16 000 pesos, et 15 000 ou bien et 13 000 pesos pour l'ago.
ou capable de négocier avec la nègre choisi la go pour 13 000 pesos. C'est-à-dire, les nègres fin prend l'Europe qui te travaille ou la, nègres prend l'Europe qui te travaille ou la, ou pour aller passer mise à Haïti, ou bien pour aller passer mise pour retourner ici, hein, ou préférer payer nègres là. Obligé payer pour ba nègres là 13 000 pesos, 14 000, 15 000, ou négocier avec lui pour ba pour la yo. Et problème nan, yo ka fin la go kounya, yo ka fin la go kounya, sou pa range ko, yo rekwaz avant ko, yapre pran, yapre pran. C'est-à-dire là vinn créer un problème total pour haïtien là on parle travail c'est ça fait grand pile et monde qui mouri grand pile haïtien qui mouri dans dernier temps ça parce que les machines immigration en campi et machine qui transporter moun yo parce que son tas de bus jaune yo metti avec l'autre forme bus yo metti qui pour transporter haïtien yo les immigration dit même les campé bus là nèg yo gen tan et haïtien qui là dans yo gen tendance voler à terre et voler dans toute fenêtre et pour laguer quoi à terre pour gen tan courir pour sauver et pendant que même machine là pour même camper même nèg la voler pour la décollater depuis les machines d'immigration la vienne causer que pendant nèg la voler dans la rue on l'autre machine passer le frapper ou bien la qui c'est un professeur qui vit en République dominicaine depuis 25 l'année fait qu'on est li pas de vivre en situation pareille depuis li monter tante li la caille voisin Kalinda Bokotepal présentait République Dominicaine dernier jour sa yo comme un terrain qui vient plus difficile pour haïtiens. Problème n'a pas petit non. Sous attention dans Saint-Domingue. En pile fouille, il y a fouille haïtien, a chercher haïtien puis red toujours passer tout le temps. Bah il ça malgré barrière fermée mais on continue à chercher haïtien pour fouler dans le pays. Pour mon motocyclette ou pas utiliser moto non pour mal travail. C'est à pied mal travail. Mais haïtien yo gen yon vie de terreur ouais en pile pression nan koyo la et ça vinn soti fè la rue presque vide haïtien yo rete chita la kayo tout an pou hier si j'étais ouais ou tout an pote police comme immigration tal vran moun ka fè red yo. Yo blessé yo. Actuellement là, c'est dommage pas facile dans moment ça là. Si c'est vrai communauté haïtienne dans la caille voisin a pillé tête carré projet construction canal sur rivière Massacre là, mais pour éviter désagrément, haïtien yo éviter défendre cause si là en présence dominicain qui pour majorité a supporté décision Luis Abinader là. Nous sommes haïtien yo a applaudi ça. Haïtien yo tout dit que si tu as un problème si yo pour descendre la caille pour y aller défendre pays yo pour y aller défendre patrie yo qui a descendre correctement pour y aller défendre patrie yo et pour dossier canal là et nous d'accord totalement tout ça et haïtien toute façon que yo met tête ensemble pour capable et construire canal là et pour côté par dominicain et gien en pile haïtien toujours et beaucoup qui a discuté ensemble avec et Dominicain qui a discuté avec Haïtien qui a discuté avec Dominicain sur dossier ça. C'est-à-dire depuis mon yo gen bon rapport ou bien bon et relation, yo surtout parler discuter de ça. Gen pile Dominicain, capable dire Dominicain, gen pile Dominicain qui pas admettre que Haïtien prend branche là dans canal là grand pile qui pas d'accord grand pile majorité pas d'accord même qu'on fait même qui ont été capable tande yo tout tande yo dire que Haïtien pas gain raison pour prendre dans canal là mon dernier m'a tande yo parole la même fait connait rivière et pour lui même fait connait canal là c'est sous terre République Dominicaine n'est passé. Communauté haïtienne qui a vécu ici, quand les partager, même avis avec tout haïtien qui sous frontière là, qui a encouragé en construction canal. C'est une fois un Dominicain qui questionne un haïtien, donc qui s'est passé de ça qui a passé, donc et lui obligé en différent pile attention dans façon que lui a répondre. Malgré hostilité, président Luis Abinader a quitté exhibé tout battant clan militaire pays tant qu'au hélicoptère, compatriotes la caille voisin espéré autorité des pays yo pressé joignant entente qu'a mettre yon bout dans angoisse yo. Mais seulement nous ta souhaité que le gouvernement qui gagne en place là, li joignent entente ensemble avec le président
avec le président Luis Abinader, je n'ai entente ensemble avec lui, et justement pour calmer la situation par nous, ou bien nous-mêmes pour modifier un peu la situation. Nous. Parce que nous-mêmes, inquiétude nous a augmenté de jour en jour, peur nous a augmenté de jour en jour, parce qu'on a couché dans la cabane là, le temps de blo-blo-blo dans le podcast, c'est une immigration qui a crasé le podcast là, c'est un agent immigration qui a crasé le podcast là pour l'entrée. Et le problème qui vient, c'est que nous fin krasé pot ka la yo rentré yo jwenn pa gen moun yo même yo débourré tout bagay yo débourré tout bagay pour chercher cob chercher cob dans tout coin côté yo jwenn pour jwenn cob ou bien pour yo non bagay ki important pour prendre aller nous même nous gen pile moun ki subi des bagay ça dernièrement moi gen proche moi qui a semblé en cob pour aller Mexique et que immigration entré dans Cali yo pa jwenn ni et puis yo entré dans Cala yo débourré malette yo débourré malette li il perdu à peu près $3,000 américains comme cob li t'a semblé pour te aller Mexique qui évalué à 200 combien mille pesos nego prendre yo aller avec li 100 yo prend cob là yo aller avec 100 inquiétude pendant que yo ouvre porte là yo pas yon dans quel monde dedans mais yo débourré bagaille et moun yon dedans nous même c'est ça seulement nous juste demander pour nous même pour au moins nous jeunons la paix ici hein. Et pour président qui est bon pour dirigeant qui est en place en Haïti au moins je n'ai entente avec Luis Abinader pour parler et puis on entente qui est confidentiel et que nous même pour Pensao pour nous gagner avec la police qui a nos problèmes et puis la police ensemble avec immigration qui a nos problèmes chaque jour et littéralement jeudi dimanche immigration vini jou dimanche les au cap dormi ou pas à l'aise vraiment ou pas gon paix d'esprit JRSF pour Radio Téléconscience haïtienne.